que cette pandémie est en train de menacer Tombouctou dans son existence. Et elles ont fait un geste que nous apprécions à sa juste valeur. Donc ce sont des sentiments que vous comprenez de joie et de satisfaction. Quand je sais que ce sont des jeunes filles issues de Tombouctou, donc la joie est double. Donc je vous remercie. Le matériel pour les CESCOM, les trois CESCOM, l'hôpital et puis CCRF. Donc nous ici ma femme qui nous guérit. Nous sommes quatre membres qui sont venus dans le courage. Donc on a eu beaucoup de noms. Il y a eu une association de quatre basketteurs de Cabo Bamako. Donc, je me suis dit que c'était une idée pour que je me fasse les CESCOM. Donc, j'ai vraiment un sentiment de joie parce que nous, les CESCOM, nous sommes des centres qui sont très très exposés par rapport au Covid-19. Donc, vraiment, s'il y a une association qui pense directement aux CESCOM, ça veut dire qu'il pense directement à la communauté. Donc vraiment, on est très très réjouis de cette donation. Et au nom de la communauté de Tombouctou et au nom de CESCOM Sankore, vraiment je remercie infiniment les donateurs et on en fera bon usage, Inch'Allah.